Alassane Ouattara annule sa venue à Yamoussoukro. Chers abonnés, je vous l'ai dit, non seulement je ne suis pas aussi bon rédacteur que votre enquêteur préféré, mais pire, je n'ai encore moins sa célérité de production et de diffusion de vidéos. Ma voix a également moins d'entrain. Et pourtant, me voilà obligé de le suppléer. Qu'est-ce que c'était aisé pour moi de demeurer dans l'ombre et de me contenter de lui fournir les informations précieuses que je pouvais glaner çà et là. Je vous assure que je trouve cet intérim fort pesant. Bonne nouvelle, Chris Yapi est sorti de l'hôpital et est en convalescence chez lui. Vivement qu'il reprenne le boulot afin de me permettre de retourner dans ce monde de l'ombre que j'affectionne tant. En attendant, chers auditeurs, voici l'information que j'ai pu intercepter. Dans le cadre de sa visite d'État en Côte d'Ivoire, le président congolais Sassou Nguesso a souhaité aller s'incliner sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Dans le programme initial, il devait y aller accompagné par son homologue ivoirien. Contre toute attente, à la dernière minute, le vieux Grigou a annulé ce voyage et a chargé le vice-président Timoko Mellier de s'occuper de cette tâche. L'entourage s'interroge sur le brusque changement de programme. Que s'est-il passé en réalité? Affaire à suivre. Monsieur Vita. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.